La première semaine sous télévision nationale d'Haïti avec mise au point très certainement avec un pasteur protestant, Manuel Carrefour, pour nous parler de 25e anniversaire d'une église qui n'a comme ça. Et c'est docteur Jean-Édouard Petit Frère qui a dirigé, c'est lui-même qui avec tout matin pour nous faire le point sous. Eh bien, Jean, peut-être communauté Carrefour, ouais, et présence famille, tabernacle de louange. Jean-Yves tout intégré dans la communauté, qui sa présence sur poté pendant 25 ans, ça, mais qui sont sur quoi, Jean-Yves fait impact sur le monde dans la zone, sur le monde dans Carrefour. C'est entre autres points pour l'aborder, pourquoi pas perspective pour la prochaine année, avec docteur Jean-Yves Petit Frère, qui a accepté de répondre à question nous matin. Docteur Petit Frère, son plaisir pour nous recevoir sur Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour Serge, non, et merci pour l'invitation. Et moi, je voulais souhaiter une bonne journée également à toutes fidèles téléspectateurs mis au point. Parfait. Famille tabernacle de louange, ça veut dire qui ça? C'est d'abord une famille, vous voyez. Ensuite, il y a un tabernacle, et puis là, ça me fait, c'est loin de l'eau la donne. En réalité, le nom a changé depuis. Nous sommes d'accord comme ça que depuis, à partir de la date de cet anniversaire, non, l'église a changé. Ah bon? Oui, non, a changé. Elle a passé de famille tabernacle de louange à centre diplomatique famille tabernacle de louange. Pour qui ça change bien ça? Parce que Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, Bible a dit nous faisons fonction d'ambassadeur. Donc, en réalité, c'est mal comprendre parce que c'est de ciel. Seulement ciel a son résultat que la réalité. Bible parle de Yonwa, d'un royaume, d'un projet de colonisation, d'un plan de recolonisation. En réalité, en réalité, quand on fait sous terre, même j'en fais dans le ciel là. Donc, en réalité, plan pour Dieu, c'est toujours, fait terre à venir, extension de sa ciel là. Yeah. Et comment le faire? Bon Dieu, faire à travers salarié, ambassadeur, tout pays qui ont représentant dans nos pays, il fait toute activité à travers représentation diplomatique là. Donc moi j'estime que Dieu en tant que roi des rois, et s'il y a des ambassadeurs sous terre, si on comprend le rôle, Dieu s'est venu porte-parole de sa diplomatie céleste avlée et rendre pour changer environnementaire. Donc ça fait peut-être mon peuple périt faute de connaissance. Donc on a l'église qui entre dans la religion et qui pas représenter véritablement le royaume. Donc avec ajout ça, avec le centre diplomatique, c'est pour faire une petite classe. Qu'on ait vissé un petit casse plus en l'esprit, mon Dieu, que nous ne sommes plus une église, nous sommes une représentation diplomatique du royaume de Dieu et qu'on ait ça à représenter. Pourquoi tu veux changer de nom, mais le fait qu'on ne veut pas changer? Well, eh bien non, vous connaîtrez la vérité. La vérité, qu'on attendait, accepter, croire et pratiquer, à changer, à libérer. Donc maintenant, et la foi vient de ce qu'on attend. Donc si l'enseignement est fait, toutes sortes de besoins qui viennent dans la vie monde, il faut qu'on signe d'abord. Et en pile, avec répétition. Avec répétition, mais il y a mon cap de quasi, oui, c'est vrai, et parole là par la pile. Mais on peut être quoi ici, ça lui veut dire, malgré tout le monde sort protestant. Haïti n'est pas une exception à règle. Mais, à la forme d'auto, que pour moi-même, c'est une honte, en réalité, pour payer 52% de monde qui soit disant des chrétiens, et vous voyez en état ça. Parce que ma philosophie à moi, c'est que représentation physique de un pays, ça un pays physiquement, c'est une représentation de ce que l'église en pays a spirituellement. À vous dire encore. Ça en pays physiquement, c'est ça pays, ça l'église qui est dans le pays spirituellement. Parce que toute réalité spirituelle, il y a une expression matérielle et toute réalité matérielle, il y a une dimension spirituelle. Donc en réalité, c'est le niveau d'ignorance, monde qui soit disant, tu as supposé représenter mon Dieu, qui est responsable essentiellement de misère. Ça passe, c'est ce message là que Malbaye, ou bien c'est mon Dieu pas comprendre ça nous dit comme pasteur. Parole l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, qui est ce pasteur? Pasteur, c'est mon guide, peut-être à mon temps, tiens l'église à tout. Donc, imaginez-vous, change de décision que je prends pour son avenir, basée sur somme de connaissances que je gagne. Et si somme de connaissances, de base de connaissances, je gagne forte, dans le sens que je gagne une erreur là-dedans, je risque toute décision que je prends devant eux, je base sur l'erreur ça. C'est sur ce qu'on connaît, on prend chance pour l'avenir. Donc en réalité, il faut passer, il faut exactement là. La notion que Christ est venu pour annoncer, c'est la notion du royaume. Pour apprendre, nous avons un royaume qui est culturel. Dans la religion, au cas où bon Dieu, on dit bon Dieu, papa bon Dieu, t'en prie, s'il vous plaît, au Seigneur, en bas ça n'a pas marché. Bible a dit, Bible, ça n'a pas marché vraiment. En réalité, non, il n'a pas marché. Eh bien non, mais gardez ta pays, et pour garder ta pays, pour prendre en compte que est-ce que vous portez des résultats? Est-ce que mon pays qui prie, mon prie plus facile en Haïti? Malgré ça, ça va changer. Donc, voyez ça que mes collègues, Seigneur, enseignez-nous à prier. Mettez montez quand on prier. C'est-à-dire, Bible a dit, si vous demandez quelque chose, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons du reste, la chose que nous lui avons demandée. Elle dit qu'en réalité, toute prière qui passe selon la parole de Dieu, bon Dieu a demandé. C'est pour descendre à l'Oula et c'est pour prier sans cesse, ça me dit autant de dire. Prier sans cesse. Ok, prier sans cesse, c'est une façon pour prier sans cesse là. En réalité, et souvent, quand même, quand on explique que ça, Christ est en réalité, vous voulez dire la prière sans cesse là. Mais c'est d'abord pour nous qualifier pour prier. La Bible a dit si nous avons garçon la volonté, la pandémie. En deuxième, avant de prier, soit pour maladie, pour santé, pour la vie matérielle, mais ne pas dire, il faut connaître la volonté de Dieu d'abord. Parce que Paul a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. En d'autres termes, quand je dis des bagailles, en fonction de besoin, on connaît haïtien, depuis nous pensons, nous toucher 25 secondes, nous disons, t'as prié, t'as prié, t'as prié, papi chéri, oh, nous ne pouvons jamais dire rien, elle est là. Nous ne pouvons jamais dire rien. Donc nous avons une bonne bagaille qu'on a fait, qui entre dans la liturgie haïtien, nous pratiquons ça, mais qui va porter le résultat. Maintenant, ce qui arrive. Il va porter le résultat. Oui, pour payer de manière générale, mais pour l'église, il faut des résultats. Quand l'église qui vivait sortie tête chaud et attirer l'attention de tout le monde, c'est parce que quand l'activité jeune, il y a toute la semaine journée là. Bon, là, on va permettre que Kounia là, si nous avons deux voies pour nous évaluer, pour nous qui s'est apporté comme changement dans la vie, soit mon café et dans l'avion. Ok? Donc, l'arrivée, oui, que les jeunes viennent en business, l'arrivée que l'église a cavé dans l'entreprise. Vous voyez? Donc, il faut comprendre qui est ça qui a fait là, et puis qui ça a porté comme changement réel dans ce sens-là. Et puis, c'est quoi la mission de l'église? Bon, là encore, ça c'est la mission de l'église. Vous voyez? Donc, c'est tout ça, mais en réalité, que nous avons remis en question. Parce que si je ne me questionne pas, ça m'a fait là, pour m'évaluer, qui ça a porté comme résultat? Moi, c'est continuer à faire tout le reste. Et puis, ça va arriver. Ce qui sera nous chita nous-mêmes, philosophie, nos familles avec la douleur. En réalité, nous sommes tête nous comme étant, nous disons, c'est fini. D'abord, on nous dit que la famille avec la douleur, c'est l'église où Jésus-Christ est Seigneur, où l'amour et l'unité règnent. Quand on dit sans l'exode que Jésus-Christ est Seigneur, nous avons d'homme. Ça veut dire que nous n'avons pas obligation pour nous appliquer ça que parole bon Dieu a dit, ça que Jésus dit. Et que le mot Seigneur veut dire maître. Ah ouais, lui dit maître. Donc, nous disons plus de fois, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous, vous voyez. Mais la majeure partie en Haïti, nous acceptons Jésus comme Sauveur. Nous prenons comme Sauveur, mais comme Seigneur, beaucoup. Parce que être Sauveur, c'est cela qui sauve là, qui vous voit. Mais Seigneur veut dire, il est maître. Maître veut dire, il est. C'est, quand on a dit en anglais, on a dit landlord. Landlord, c'est propriétaire là, c'est lui qui est le roi là. Donc, l'œuvre au monde, c'est maître. Vous ne vous appartenez plus. Donc, ou pas mettre tête ou encore, donc, décision que m'a pris, yo, choix que m'a fait, yo, que c'est pour la vie, notre vie, ça va besoin de dépendre essentiellement de lui. Comment on va gérer la vie? Par exemple, on comprend ça. Son logique que me pensait qu'en plus, mon notion est écarté de lui parce que pas comprendre fondamentalement. Parce qu'on est maître de rien, non, en Haïti. C'est pas en Haïti, mais dans le monde entier. Nous pas mettre rien. Nous ne sommes que des dispensateurs, des gestionnaires. Ma bon exemple, si écoute, considérez par exemple le passeport que tu as. Aucun passeport. Et en tant que le passeport, photo qui est-ce qui est sur photo pas où? Qui est-ce qui paye pour le faire? Ou même, qui est-ce qui a signé un papier dans l'immigration? C'est ou même. Mais ou pas, j'en garde le passeport pour eux. Il dit, ce passeport est la propriété de l'État haïtien. Finalement, qui s'en met? Photo sur lui, c'est au pays pour lui, on va mettre rien. On est maître de rien parce que nous n'avons pas créé un actionnaire. La vie, tout comme ça que je gagne, il va appartenir à moi-même. Donc quand on dit nous acceptons Jésus comme Seigneur, comme maître nous, comme sauveur nous et Seigneur nous aime, nous lui appartenons. Et dans le choix, moi, dans la décision, je vais faire ce que je implique, ça que lui-même, lui voulait, on va me faire. Famille d'Amen à Gélouin, sur l'église Pentecôtiste, Baptiste, Méthodiste il faut faire pile l'effort pour nous sortir en dehors de Israël. Parce que Israël a toujours bien sens, puis toujours formalisé, mettre bon canal. Vous voyez? Donc, nos points Bible, nos points pour jusqu'à l'enfant. Parce que tout ça qui dit encore là, est au biblique. Vous voyez, toutes ces choses ont été écrites pour instruction. Non? Donc, en réalité, nous sommes une église, baptiste, samdaïle, interdénominationnelle. Vous voyez? Ou bien non dénominationnelle. Donc, nous n'avons pas de ligne, vous avez dit dans le sens que nous sommes baptistes, parce que lorsqu'il est tout baptiste, ça présupposait une certaine croyance, une certaine façon de vivre, de fonctionner, je veux dire. Alors, quand on est tout pentecôtiste, sous bien, sous comme ou deux secteurs, ou peut-être qu'on est antichrist, en pile là, donc baptiste, c'est une façon de percevoir dans le pays. Vous voyez?
c'est une dame qui a dit baptisé, perçu comme étant un monde qui nous a favorisé la connaissance. Vous voyez? Et que les pentecôtistes sont perçus comme étant des gens qui favorisent la manifestation de l'esprit et qui ne sont pas trop basés sur la connaissance. Alors que, en réalité, ni la connaissance, ni l'esprit ont besoin de tous les deux pour équilibrer. Qu'est-ce que tes motivations vous-même, je suis le fondateur et femme intérieure de louange, pour te prendre l'initiative de mettre l'église à Carrefour, par exemple? D'ailleurs, ce n'est pas une initiative par moi. Moi, je crois que son appel que moi recevoir de Dieu. Vous voyez, mais moi, pas quoi que juste, moi, c'est pour moi, c'est pour les monde qui étaient appelés à venir avec un ministère comme ça. Et tout au début, le Seigneur m'a dit que moi, là, on a un ministère à contre-courant. À contre-courant, vous voulez dire que moi, je vais le faire parce que c'est comme ça, j'ai l'habitude de faire, je vais le faire parce que moi, j'ai une façon, bon Dieu, une façon de voir l'église, il y a une façon de voir l'église et à fonctionner. Et dans le premier jour, nous, puis vos détracteurs, nous, même, vous comprendre, nous, c'est peut-être monde qui est de même secteur, parce que quand les jeunes garçons savent oser, ils font des choses qui sont différentes de ce que nous avons habitué à faire. Vous voyez, c'est comme d'ado, nous allons même poser nos questions. Dans la religion, nous allons même poser nos questions sur pourquoi ça nous fait en faire. C'est comme ça nous fait le bon ici. Est-ce que le bon, ça va intéresser nous? Est-ce que pour tes résultats, ça va trop intéresser nous? C'est comme ça nous fait. Donc, c'est les gens de bagage qui sont vous voyez, donc, est-ce que pour que ça soit à Carrefour? À Carrefour, c'est pas un choix que je fais, parce que d'ailleurs, l'église que je me suis levé, c'était à Carrefour. Donc, pas de gens me souhaitaient même prier l'église que je me suis levé. Vous voyez, donc, mais, en fait, ça c'est toute une longue histoire, mais il aurait fallu que je me obéi à appel là d'abord et répondre à la mission nous, en tant que l'église. Donc, mon Dieu, c'est Carrefour, donc on est à Carrefour. Et sous ta web côté nous y a tout, dans tout côté nous y a tout, pas une chance pour moi, comme ça t'as réellement fait sorti. Mais étant donné que bon Dieu te fait clair pour nous par rapport avec la différence qui existe entre la mission et la vision, vous voyez, parce que généralement, sont habitué, ça n'a pas de généralement, c'est que plus pour l'église que nous connaissons, mission, mais c'est un mot combiné, c'est deux mots, la grande comme mission. Vous voyez, donc, mais Dieu fait le clair pour nous, pour que nous, pour entendre, pour nous définir pour nous-mêmes, ça que c'est vision pour nous. Vous voyez, Dieu a tout fait pour un but. Bon Dieu, pas jamais fait ça, pas bon raison d'être. Chaque grain de l'église, tu es supposé gagner une vision individuelle pour gagner, pour qu'il y ait unicité. Vous voyez? Donc, si vous pouvez mettre même rapidement la différence, d'après moi-même, entre la mission et la vision. Parce que c'est ça qui crée plus fort pour le monde. Allez-y. Par exemple, on t'a dit moi-même, pour quoi ça n'a défendu, là, on va dire comme ça. La mission, elle est générale, elle est globale. Tandis que la vision, elle devrait être spécifique et sur mesure. Par exemple, on a dit, ma bon exemple que moi j'ai enseigné en ville, la donne, pouvoir aux besoins des écoliers haïtiens. Pouvoir aux besoins des écoliers haïtiens, moi j'ai laissé enseigner une mission. Les écoliers ont le besoin. Accra dit, et moi-même, ma baille uniforme. Des chants, dit, moi ma baille livre. Yo, chaque jour, une vision, yo, en dedans, mission. Pouvoir aux besoins des écoliers haïtiens. Sinon, nous voulons le bagage. Est-ce que Accra a besoin de battre avec des gens? Non. Il y en a même mission, mais pas de même vision. Il n'y a pas quoi Accra à côté des gens et là-bas, papa, comment ça va, des gens? Parce que le besoin. Donc, ça qui vient dans l'église. Toute l'église qui est en seul et même en pivot qui est en seul, mission, il y a une seule mission. Et là, cette mission, pas prendre pour nous définir vision en dedans. Mission, il vient construire des fois un petit litige. Parce que, il y a des gens qui viennent dans FTL qui ne peuvent jamais aller dans l'église. Qui parle dans l'église, qui ne peut jamais se sentir confortable en DFTL à cause d'unicité, à cause de différence que les voyageurs. Donc c'est ça. Donc, qui ça fait passer l'église ça? Passer ça pour venir dans ça? Là, parce que c'est dans là. Parce qu'on parle dans l'église parce que c'est l'autre élevé. On parle dans l'église en plus parce que c'est parce que parents, c'est la réalité qu'on a lavé, ou parce que c'est là, c'est frère qui va se loin, c'est pour ça qu'il y a là. On parle dans l'église parce qu'ils répondent à un bagage en dedans. Parce que si la vie, c'est pas un cadeau que Dieu, si la vie, c'est un investissement de Dieu. Nous devons nous rendre compte de ça avec la vie. Nous devons faire sûr que chaque grande minute que nous vivons, nous vivons pour accomplir les raisons pour lui-même. Si la terre de la vie, c'est pas nous. Alors, généralement, il n'y a pas de l'église protestante, il faut associer là au monde. Vous avez le pasteur tel, ça c'est l'église pasteur X, c'est l'église pasteur Y. C'est le cas pour FTL, il n'y a pas d'FTL, il faut associer là Jean-Yves, petit frère. Ben, ouais, ça c'est dans la mythologie. En Haïti, nous avons une façon que nous voyons. Nous avons une façon que nous voyons. Oui, dans la zone, il y a nous battons en pile pour que yo fait différence là, mais il pas arrivé à atteindre dans la rue. Vous voyez, côté que ça c'est l'église, ça c'est Balkaïjan aidé. Vous voyez, côté dans la rue, c'est comme ça. Mais est-ce que dans la réalité, c'est pas le cas, non? Si, est-ce que dans la rue, l'église, effectivement, il n'y a pas de j'aide ou un prêtre sur l'église là? Ben, j'en aidé en tant que personne, en tant que le visionnaire, porteur de la vision. Vous voyez, la bien empreinte,
monde que l'IA pour sortir. D'ailleurs, quand on rentre dans l'église là, on suppose qu'il y a une bonne idée de qui est ce pasteur et qui est-ce que ses visions, qui est-ce que ses perceptions de bon Dieu. Quand tu as ça qu'a fait dans moi-même, et là, je me dis, moi-même, c'est possible pour un petit crasse en bias, moi, ça, c'est la donne. Donc, mais je ne suis pas le seul, pas seul, mon à prendre une décision, mais à diriger, parce que il y a un ensemble de monde qui est tout aussi doué. Oui, il y a des choses différentes dans l'église. D'ailleurs, l'église qui sait qui fragmente le fragment dans le sens que les subdivisés dans différentes sections, différents domaines, ouais, donc ensemble de regards qui rendent que l'église opérationnelle pour délivrer ça qui c'est mission, mais particulièrement ça qui c'est vision que bon Dieu va nous proposer. Donc, il y a combien de monde qui fréquentait FTL, je veux dire? Ben, nous, un peu, alors, sans l'église, vom de qui ont subi une mutation extraordinaire. Dernière fois, on a checké, il y a plus que 500 monde qui quittent les pays. Il y a l'église qui allait, et comme la vision de l'église, c'est qu'il y a le Chili, non? Ben, alors, ces derniers temps, on voit bien de droit grain qui a le Chili, t'as pas dit malheureusement, parce qu'en réalité, bon, ça sont l'autre débat, ouais, qui voit l'église pour les jouer, et pour qui ça fait des fois, on est tellement non fois, qu'on est obligé de jouer le Chili comme option, plus que 500 monde qui quitte les pays. Il y a l'église qui allait, et comme la vision de l'église, c'est qu'il y a le Chili, non? Ben, alors, ces derniers temps, on voit bien de droit grain qui a le Chili, t'as pas dit malheureusement, parce qu'en réalité, bon, ça sont l'autre débat, ouais, qui voit l'église pour les jouer, et pour qui ça fait des fois, on est tellement non fois qu'on est obligé de jouer le Chili comme option. Et le côté, le centuple, pendant l'année, ouais, tout pays a tout rouge, on met jaune en bas soleil, et puis l'on veut un petit espace qui est pris là. Il se passe à vert. Ça, je suppose de poser des questions. Ça, fait ça. Il n'y a pas fait de différence pour mon Dieu. Dans quel pays on va vivre pour bénir ou prospérer. Il dépend de dans quelle dimension de foi qu'on va fonctionner par rapport à la connaissance qu'on a dans la parole là et application de la parole là. N'importe côté, bon Dieu, je m'en applique la parole là et agir. Et miracle possible. Alors, vous avez une idée d'effectif là. L'effectif que je vous dis. Alors, Kounia, nous avons 1000. Vous voyez, ça c'est même à ça que alors, 1000 en tant que membre qui est constitué. Mais pour le monde, l'exac a contenu environ 1500 monde. Oui, mais venir aller à l'église, pas fait d'un monde en réalité, au membre de l'église. Parce qu'il y a tout un processus pour venir membre adhérent. Enfin, là maintenant, 25 ans après, nous estimons que sans prêcher, bon, j'ai dit qu'on est dans le pays, arrivé sur nous. Moi, pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que j'estime que je fait plus. J'estime que je n'ai pas fait plus. Aller beaucoup plus loin. Raison de plus, je suis venu là, je accepte l'invitation, je suis venu là, je dis, pour me dire que j'ai l'église qui existe dans le pays. Parce que nous avons été confinés à l'antichrist, ce n'est pas nous, qui fait que nous n'avons pas sorti. Mais il y a pile bagaille de bonnes choses qui ont fait dans le ministère. Ça. Et que je pense que si plus de monde te connaît, tu peux implémenter sur lui, inspirer de lui et faire encore davantage. Pas au niveau Carrefour, est-ce qu'on estime depuis le nous là, on va changer dans les gens qui sont dans les gens qui vivent, dans la clotte, dans les gens qui peut-être où est-ce que tu es. Aussi vrai que je me suis souhaité que ce soit l'autre monde qui fait jugement ça, vous voyez, aussi vrai que je me suis souhaité que c'est peut-être Carrefour qui réagit, vous voyez, ou les magistrats, ou bien n'importe qui. Donc, mais FTL, c'est une église engagée et impliquée dans la réalité. Nous voulons venir effectivement lumière et sel. Vous voyez, parce que moi-même, alors, il y a plus de monde qui ont tiré avec moi sur ça parce que je ne suis pas un politicien, je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Vous voyez, donc, baguette pour me faire parlementaire, tu vois. Donc, pour ce faire, m'estimer que si il y en a absenti, je ne suis pas fier là, parce que là, quand les États, pays, directement, nous manquons à missionner en tant que l'Église. Nous manquons à missionner. Comme je dis, il faut avoir ta moitié pardonnée. Donc là, conscient de problème, donc au plus facile sur pour changer. Au fait que faudrait dire que ouais, tout va bien, l'église puissante, l'église. Non, nous avons l'église qui existe, nous avons l'église qui a survécu, l'église qui existait, mais qui pourquoi offrit à la nation ça comme étant la solution. Parce que je dis sur l'église engagée, mais généralement, la perception de l'église, c'est l'équipe qui a fait mon quoi dans le ciel, ou déjà dans le ciel déjà. Il n'y a pas intéressé, parfois il y a une élection, on pas senti protestant ou mobilisé pour voter, il faut être dans la rue, ça n'a pas dit rien, et tout va pas cher, et puis même l'église a prié. C'est comme ça, généralement, les perceptions, il y a de l'église là. Eh bien, c'est ça, la religion fait sur eux, oui. C'est genre, la religion arrive sur eux, oui. Parce que moi, ça fait d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aucun document, on a dit que c'est l'église, nous-mêmes. Okay.
Donc, on ne peut pas dire, bon, au cardinal, cardinal, c'est église, famille, tabernacle, louange, c'est fait en fond d'appellation, mais non, l'église, c'est, dans le temps, c'était famille, tabernacle de louange. Numéro un, parce que nous ne pouvons pas comme, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas l'église, en réalité, mais nous ne pouvons pas comme ça. Et c'est comme ça nous articuler ça que nous croyons, c'est comme ça nous articuler vision. Vous voyez? Donc, parler de le world, l'église, ciel, c'est ça le problème. Oui? Parce que nous, on, comme qui sont un monde qui est passager, nous pas impliqués. Alors que la Bible a dit, priez pour le pays côté côté. Parce que le bonheur dépend de lui. Si le pays est assombré, bon, c'est pas secret, c'est pas un problème. C'est tout le monde qui parle. Donc le pays a l'insalubrité, c'est pas fatra dans la rue, les durées montent, les gaz montent. Vous ne pouvez pas être monté 4 de membres de l'église et puis vous avez duré à 3 dollars. Ça va exister. Là, monter, monter pour tout le monde. Donc, l'église, en réalité, bon Dieu, voit elle dans une nation comme bras diplomatique, les moyens, pas pour imprégner la nation hein, de ça, ces valeurs ciel-là. Bon Dieu, toujours intéressé dans changer, dans la transformation de la vie du monde. Et c'est à travers l'église qu'elle fait. Malheureusement, il faut l'église, n'y a pas nécessairement ni accepter, mais ça, comprendre, ni voir pour comme ça, commencer à articuler et préparer pour qu'elle vienne bras ça. Donc, c'est ça qui cause que ouais, l'église vienne. Peut-être l'église a annoncé, les pieds de l'enfant. Parce que plus on parle de l'église a changé le monde, mais nous d'accord, je veux dire, la qualité haïtienne, elle a vraiment fait problème. Et il y a plus de l'église qui est dans la politique, qui est de tous côtés, dans toute sphère politique, qui a décidé pour le pays, mais ça n'a pas empêché que, ouais, nous, comme un pays qui tout à fait des autres, qui a une question de corruption, et ouais, nous, comme un pays pas capable d'être pris en charge. Mais ça va empêcher que en pile monde nous c'est des monde qui sautent l'église. Est-ce que pasteur petit frère ces messages qu'a bail là pas adapté? Est-ce que ces messages nous bail là qui pas tenu compte de qualité monde que nous gardons devant nous ou est-ce que c'est monde nous tout qui pour comprendre message n'a dit? Bon c'est tous les deux vrai. Tous les deux vrai dans le sens que parce, mais d'abord nous qui est-ce qu'a messager d'abord, il faut voir le messager. Qu'est-ce messager? C'est monde qui c'est produit même l'église qui levé et qui reproduit ça qui était levé maintenant. Donc si nous pas gon halt là côté que nous dit hey, non il faut considérer c'est un message n'est pas bon. Ouais, c'est un message n'est pas bon mais c'est un emballage bon puis il faut emballage j'en ai emballé là tout et puis j'en ai présenté le bas monde est-ce que arriver à atteindre monde. Donc moi pense que c'est ça en réalité pour moi qui c'est problème. Non, mais d'abord nous pas découvrir le message du royaume. Christ seul t'a voué le message. Il dira que allez, les yeux allez et puis dire allez et dites-leur que le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste vient, lui dit, royaume de Dieu approche. Pierre, Jacques, Philippe, ils ont prêché le royaume. Ça, royaume, c'est que ça là. Un royaume, en réalité, c'est un espace où on a dit côté que on va diriger. Vous voyez, côté que parole les fait autorité. Donc maintenant, nous ne sommes pas supposés appeler à venir des membres d'église, mais nous sommes venus, nous sommes un espace pour l'église, nous sommes des ambassades ou un centre diplomatique, côté que nous sommes capables, on chargé d'affaires, responsable pour recevoir un message de roi, et puis transférer à peuple. Donc nous parlons de tout bagage, sauf du royaume de Dieu. Et puis là, on a un royaume. Il faut d'abord comprendre pourquoi on peut bénéficier du royaume. Si c'est un royaume qui est, les grands langages, les grandes constitutions, les grandes cultures, les grandes façons. Donc si moi, États-Unis par exemple, je ne vais pas essayer, non, l'autre royaume, non, royaume États-Unis, en si je le considère comme ça. Non, royaume ça. Il faut me connaître qui langue parle États-Unis. Qui culture pour bénéficier de bonne grâce, de bonne grâce de sa pays pour l'offrir. Donc, il faut m'imprégner de culture pays pour réellement capable adapter ma vie, pour profiter. Donc, nous, dans la religion, alors que bon Dieu offre nos royaumes, donc maintenant, on disconnect entre ça nous est et ça nous est supposé qui cause un impact là pour que ça sentir. Parce que plan bon Dieu, c'était en réalité, c'est faire de terre, une extension du ciel là. D'où ça n'a pas de la colonisation. Mais colonisation, c'est beaucoup mal perçu parce que nous connaissons sa colonisation. Fait nous. Vous voyez? Mais c'est ça dans le son concept divin que Satan nous a dit polluer. Dans ce sens, ça fait monde mal utilisé. Mais en réalité, l'idée de la colonisation, c'est l'idée d'abord que c'est de Dieu. Faire de terre, c'est pas tout pour et pour la métropole. Cette fois-ci, c'est la métropole qui voulait rendre coloniant. Venez ça supposé. Donc c'est ciel là qui besoin de descendre sous terre et rendre terre tant que ciel là à travers l'ambassade de Dieu. Où est son concept qui est nouveau? C'est pas nouveau dans le sens que son nom bah, qui dit, mais où est son concept qui pas trop qui prêché pour enseigner dans l'église? Mais d'ailleurs, il y a un gros problème. La Bible n'a pas jamais enseigné pour nous prêcher. On prêche aux inconvertis et on enseigne aux sauvés. Les gens qui convertis, c'est enseigner. Un, c'est quoi le royaume? C'est quoi la constitution du royaume? Vous voyez, c'est quoi la culture du royaume? Pour réellement bénéficier. Parce que, au cas de grâce et faveur, on en gère, l'on fait bagarre qui fait plaisir.
Ou rappelons à plusieurs fois, plusieurs ont dit, oh, par exemple, et on dit, c'est tellement bien, c'est tellement content. On dit, waouh, on m'a demandé n'importe ça qu'on voulait, même quand on m'a demandé moitié normalement, barolé. Donc, il faut savoir comment faire pour satisfaire les besoins, waouh, et pour qu'on rejoigne les dépenses. Différence qui est entre la religion et le royaume. La religion, on a la religion pour qu'on ait besoin. La religion promet que ma présence pour les souvenirs dans moi. Tandis que dans le royaume, il faut faire plaisir, il faut satisfaire les désirs du roi, et puis, waouh, les gagner en charge pour prendre en charge. Ça qui est différent, par exemple, l'autre, Adam et Ève dans le jardin. L'autre était fait rentrer dans le jardin. Souci à Adam, il va manger. Bouais, il va manger. Parce que c'était ça qui était, waouh, vous devez prendre soin, petit Léo. Vous voyez, tandis que le péché vient entre Kounyala, il mettait le dehors. Kounyala, la priorité de l'homme vient changer. L'homme, il travaille pour le manger. Et à cause du péché, priorité de l'homme changer. À cause priorité de l'homme changer, il vient constamment l'homme. Priorité a changé, mais il a perdu mission en tant que raison d'être là. À cause de raison d'être là. Parce que si pas qu'on raison d'être, ou pas qu'il y a des priorités. Ou pas qu'il y a des priorités. Donc, il y a une cause qu'on a vivre pour nous manger, pour nous boire, et bien nous pas rendre compte que Dieu a tout fait pour nous. Si vous existez là, parce que une grande étude qui était faite, il dit que dans les années 2007, ouais, il y a que dans le sperme, dans tout ce qui est là, il y a une possibilité de leur, on garçon qui a envie, si le sperme, ça peut être à environ 7 millions. 7 millions monté qu'a fait et on voulait dire sur 7 millions qui t'a fait là bon Dieu fait ce que c'est au même que là et pour dire son hasard pour dire son accident non vous avez été choisi, vous avez été prédestiné par Dieu. Donc existence ou c'est preuve que grand problème que mon Dieu qui existait il voit ou même solution à travers. Mais ça fait jusqu'à présent peut-être l'église n'a pas une solution de côté là pas qu'arriver faire impact société là. Parce que je dis, ah, perception pas trop intéressant. Là, on a parlé du pasteur, on a parlé du leader de l'église. Il y aurait peut-être son businessman, il y aurait peut-être des gens qui ont manipulé le monde, il y aurait des gens qui ont fait comme sous tête. C'est sa société. Pour sa société, ouais, mon yo. Et par contre, nous-mêmes, dans le niveau panneau de la FTL, est-ce qu'on arrive à changer le mode de perception ça, et par rapport avec la façon dont nous y est, par rapport au message nous fait, par rapport à ce que nous produisons dans la communauté? C'est pour rien que nous arrivons à faire dans la dimension, que nous-mêmes nous sommes capables. Là. Même là, comme je dis que je ne suis pas satisfait, je suis satisfait par rapport avec. Parce que tout autant que je ne suis pas arrivé au niveau national, beaucoup sont satisfaits. Vous voyez? Perception, monde. Alors il faut penser, il faut admettre que c'est vraisemblable. Mais nous péchons dans ce sens. Moi, je ne suis pas honte de dire parce que. Parce que pile fort monde qui se passe New York, un pile monde appelle au ministère, généralement nous dire son appel, bon d'ailleurs nous son appel. C'est son appel, donc c'est un diétiste, c'est une autorité, une puissance qui choisit mon ça, et puis il dit que bon, pareil ou non, nous pas fin trop mettre en pile en face de ça, yo, préparation monde qui prend le pasteur, par rapport à comment va le diriger, à perception de la vie, perception de bon Dieu, tout ça pour avoir un impact sur le monde qui va devant lui. Vous voyez, malheureusement, nous sommes basés sur l'appel uniquement, nous allons mettre en phase sur formation. Vous voyez, et ça pose des problèmes. Parce que je disais tout à l'heure, que son pays a plus de précarité. On a l'impression qu'on fait l'église parfois pour sortir de tête. C'est comme par le travail, et puis nous faisons un espace, un petit espace là, et puis nous dérange. Et puis, mon qui est là, il vient pour faire une délivrance. Donc, finalement, ça y est. Mon parle à l'église parce que. Mon demande à l'église parce que besoin un miracle. Mon qui l'enjeune de la porte à l'aide. Ça vous pensez que mon qui va l'enjeune à l'aide. Un visa, une guérison pour une maladie quelconque. Alors que, que nous avons servi à offrir bagage à généreusement et libéralement. C'est un verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Bagage que nous avons tué tête pour l'aide. Généreusement, vous offrir pour un bagage. Pour que ça ne soit pas dit à tout David, l'éternel est mon berger, je ne manque de rien. Si je ne manque tout le bagage, c'est pour forcer le pas berger, non. Donc, si je ne cherche pas, vous voyez, je me dis chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Par ordre de priorité, Maslow dit, dans la hiérarchie des besoins, les paroles de Xala, plus gros besoin de gagner, c'est manger, c'est de l'eau, c'est sécurité, c'est hébergement. J'ai dit ça. Alors que Jésus-Christ vient, il est inversé. Théorie Maslow, pour dire non, les basses ça a besoin. Il dit, pourquoi il y a souci pour la vie? Pourquoi prison a dit que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vertus? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le paganisme,
est réel dans l'église parce que nous venons à l'église pour besoin matériel. Alors que la Bible a dit, si vous cherchez d'abord et surtout le royaume et la justice de toutes ces choses vous ont donné, les deux corps sont les pains que la recherche. Car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Donc, le nous réellement laissez nous imprégner par la culture et la philosophie du royaume, besoin de nous, il va exister vraiment. Il va exister, mais mon fidèle le compte plein, il dit, monsieur, quand le. L'autre bas, pour pasteur, finalement, il n'y a pas de rien, mais tout va marcher pour pasteur, parce que je suis chez royaume dans tout, mais il semble dégueuler la vie pour pasteur seulement. Vous entendez, tu commentes ça, par contre, ça vous dit. Well, alors là, non, non, alors, grande différence, il m'a parlé, alors, être fidèle, vous voyez le fidèle. Oui, l'église, oui, vous dites l'église, voilà, ok. Now, si l'enseignement est donné, si l'enseignement est bail, je peux déposer, si vous avez produit, résultat. Si vous avez produit résultat. Donc, si l'enseignement, véritablement, les bail, c'est pas la responsabilité pasteur non, pour voir besoin. C'est la responsabilité monde que à lui-même que avoir pour prendre soin. Yo. Donc, je vous garantis, il faut un petit sondage. Qui est-ce qui vivre selon le royaume dans tout le bon vrai? Vous connaissez? Personnellement. Ça, c'est pas au baka. Il va pas le pape. Ça, il n'a que mon Dieu. Oh, non, non, au contraire. Résultat, supposé là. La foi capable visible. Un bon exemple. Allez-y. Non, la foi doit être mesurable. Elle doit être visible. Je vais expliquer comment. C'est pas pour me choquer personne. Non, je comprends. Mais ou rappelons-le, est-ce qu'on rappelons-le, Jésus t'a enseigné dans l'espace et puis il y a un paralytique qui te gagne de toi la famille, qui te souhaité que Jésus guérisse. Ou quand le royaume va passer, il n'y a pas de changement. Côté royaume, il y a une guérison faite. Nous connaissons que Jésus là, royaume est présent, guérison est possible. Donc, là, on va aller car là tellement plein de monde, il n'y a pas qu'à démontrer. Histoire dit que, il va aller sous dos, car elle là, il va arracher le toit feuilletol et puis il va glisser les gars, descendre. Là, on va de côté Jésus, il va glisser les gars pour le tomber devant Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus, voyant leur foi, dit malade, voyant leur foi, ça veut dire la foi peut être visible. Comment la foi peut être visible? Action correspondante. L'homme action que vous posez au cas où dans quelle direction foi mieux. Donc c'est ce qui rend la foi visible, c'est les actions qui correspondent. Actions qui correspondent à ce que ma croix, mon Dieu, pour m'aller centre-ville, moi été carrefour, m'a pas je ne m'a prié. Au Seigneur, nous merci le fait qu'on va en miracle, qu'on va en machine, qu'on va en corbeau. Écoute, nous ne sommes pas dans le désert, pas un corbeau encore. Suspendre un corbeau. Ok? Bon, je te vois un corbeau à Israël, était en désert là. Mais immédiatement, on te canaran, il coupe toute manne. Parce que le bon terre qui est fertile, il n'a pas tant à ce que, ou travaille pour te produire résultat pour vivre normal. Donc, mon capitan manne, vous voyez, c'est dans le désert. Et bon, Dieu coupe maintenant, immédiatement, Dieu entre, maintenant coupé. Donc, quand pile bagaille, l'église a tant pour mon Dieu fait pour eux que mon Dieu pas fait. Et pas rentrer dans l'attribution pour le faire pour vous. Parce que bon Dieu, pas fait pour vous, ça bon moi, vous faites peut-être pas. Vous voyez? Donc c'est le concept ça que je pense que c'est mal enseigné, qui cause que la religion fait nous croire que bon Dieu a fait un bagage. Supposez que nous avons en pile fois. Nous, par contre, nous prions mal. Et si nous ne pas prier, bon Dieu, pas. Si nous ne prions pas sur le monde de bon Dieu, pas attendez nous. Donc, c'est sacrifié à Dieu, peut-être. C'est sacrifié nous, c'est ça le problème. Ouais, nous prions en pile, là, nous prions en pile. Voilà. Nous demandons mal parce que nous ne pas prier selon le standard du royaume. Et à cause selon le royaume que nous y il y a un protocole dans le royaume. Il y a une façon pour présenter devant moi. Gonjon pour en parler à là. Mais ce n'est pas non, l'église pour aller. Donc, on va en parler. Donc, un minimum de protocole qu'on a besoin. Gon valeur, gon célébration qu'on doit faire pour entrer et rejoindre le président. Donc, un protocole dans le royaume. Mais étant donné que parce que tout le monde c'est de n'avouer et monter descendre. Bon Dieu va empêcher une belle. Mais bon Dieu, pas descendre le niveau pour aller en parler. Il y a quelques pays, parce que petit frère, l'église tellement qu'on n'y est pas, que les gains problèmes, c'est l'église qui a contacté. Bon, malheureusement, perdu semaine ça en Gounon, Billy Graham, qui quitte nous. Alors, il y a des problèmes aux États-Unis, ils ont contacté Billy Graham, ils ont prié pour payer, ils ont vu un bail conseil. Mais je veux dire, j'ai l'impression tellement tout le bagage semble, tout le monde mêlé, même l'église là, voulait perdre crédibilité, voulait perdre voix, voulait. Ou ta capitaine a pu faire considérer comme le dernier rempart, tout bail difficile. Moi, j'ai l'impression que l'église a mené dans toute cause, toute parole en pile. Même problème, il y a passé dans l'église tout, qui fait que aujourd'hui, nous n'avons pas joué le rôle, sans quoi dire que l'église a joué. Selon où ça passé, est-ce que dans FTL, nous essayons quand même de faire différence là? Alors, je ne veux pas vous montrer FTL, l'approche FTL comme étant l'église et modèle là, ou bien l'église, parce que nous sommes en train, nous sommes pour nous découvrir tête, notre par rapport à qui ça accède. Parce que la révélation de Dieu est progressive.
voyez. Mais moi, je crois personnellement, parce que si l'église c'est religion, c'est normal pour qu'un comportement ça par rapport à l'État, par rapport à pays. Parce que religion fait le penser ciel et parce que nous avons une responsabilité citoyenne. Étant donné que nous n'avons pas l'église dans ce sens-là, voyez. Donc nous sommes, nous c'est une organisation diplomatique, nous avons besoin qu'on ait qui rôle nos implications dans la communauté, comment, qui rôle que l'église a relé, appelé pour les jouer. Non, c'est normal. Bon, en tant que l'église, même pensez que ça, peut-être si vous avez parlé avec peut-être mon nom commun, ou vous avez parlé avec Machissa, l'église, dans la commune qu'on fout, voyez, peut-être, comment l'église là, qui accompagnement que l'église a, bah, mais comment l'église a, ouais, par exemple, y a un exemple. Nous très engagés, par exemple. Pour moi, à la FTL, à la CDFTL, c'est pratiquement un péché pour ne pas le voter. Mm-hmm. Bon, à l'approche des élections, nous enseignons pourquoi et comment le chrétien doit voter. On ne dit jamais pour qui voter, mais on dit pourquoi voter. Les cas où on a défini critères, et la Bible est claire dans ce sens-là. Parce que la Bible est claire, pour qui ça est clair? Parce que bon Dieu, pas religieux, c'est un roi. Et en tant qu'un roi, il y a une constitution que le bano, qui est le principe royaume, qui continue capable de réussir la vie dans le royaume. Donc il faut nous retirer dans notre tête nos questions l'église, questions religion, pour nous voir dans le royaume et commencer à voir comme bagarre politique dans ce sens. D'ailleurs, avant, pour un pile temps, l'église n'est pas impliquée dans la politique. D'ailleurs, tu fais nous croire que, et là encore, il faut remonter dans l'histoire. Vraiment, que pour mes chrétiens qui viennent en Haïti, le président peut te demander un bagaille. Pas entrer dans la politique, faire l'école, et puis être impliqué dans le social. Donc, depuis ça, l'église, bon, il a toujours fait nous croire par rapport à la politique. So, nous passons de zéro politique, l'église n'est pas dans la politique même. À Kounyala, nous entrons dans 200%. Ah, tu vois, je... 200%. Sans pas grand rien qui entre par là de politique du tout. Transition parfaite. Et puis, qui est Kounyala? Là, nous entrons dans net. Ok? Kounyala, qui est-ce que c'est modèle? Mon cap fait le mal. On va dire comme ça. C'est pour nous faire différemment. Justement. Nous sommes une lumière. Justement. Donc, c'est-à-dire que qui est-ce qui modèle nous? C'est mon cap fait le mal. Donc, soit on doit. Que c'est un chrétien qui est dans la politique, il est plus facile pour un chrétien dans la politique faire la politique, même genre que le professeur lui apprenne. Parce que nous patronnes comme agent changement, agent transformateur qui peut réagir sur ce système. Vous voyez? Parce que nous ne pas croire que chaque chrétien, ici, pour nous autres à la FTN, nous croyons comme ça, chaque chrétien, c'est un ambassadeur royaume mondial, et je suis dans n'importe sphère juridictionnelle côté capable évoluer à la faculté. Ou c'est ambassadeur royaume. Et il faut le fait que l'on dit ambassadeur royaume, nous voulons mettre dans la tête que, en tant que véritable ambassadeur, il y a une responsabilité. Parce qu'un ambassadeur n'a pas un droit à opinion personnelle. Un ambassadeur n'a pas un droit à un point de vue personnel de son situation. En tant qu'ambassadeur, vu et point de vue, il est supposé refléter le pays qui vaut là. Vous voyez? Donc, on va se dire, ouais, je pense que c'est tel. Non, c'est ça. Chaque sort d'un ambassadeur représente le pays qui vaut, le pays qu'on représente. Mm-hmm. Donc, moi, j'estime que, clairement, c'est un analyse pour nous, comme nous avons beaucoup plus informé et formé dans ce sens par rapport avec accepter la vérité que nous sommes de véritables ambassadeurs. Qui ça a un ambassadeur, le rôle que nous appelons pour nous jouer, qui ça royaume que nous représentons. Parce que, en tant qu'ambassadeur, moi, appelons-le, j'ai dit à l'église, et quand je l'ai dit, t'es qu'on silence là, tout ça. On mordre. Je me dis, je ne suis plus chrétien. Je me dis, pasteur, pas chrétien encore. C'est ce que je veux dire. Ouais, je me dis, c'est en church qu'on appelle les disciples chrétiens pour la première fois. Donc, je me dis, moi-même, quand je regarde la parole, l'homme lit la parole, la Bible a relève ambassadeur. Bible a relève petit bon Dieu. Bible a relève citoyen. En tant que citoyen, je représente. En tant que citoyen, je représente le royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur, je représente le gouvernement de Dieu. En tant que petit, je représente mon père. Donc moi-même, c'est petit bon Dieu, en tant que bon Dieu, petit bon Dieu, moi je représente bon Dieu dans n'importe quel domaine. En tant qu'ambassadeur, je représente le gouvernement de Dieu. En tant que citoyen, je représente le royaume de Dieu. Donc c'est un concept qui veut dire qu'on se vesser dans l'esprit de Dieu, comprendre ça, pour nous laisser nous imprégner par la culture du royaume. Et c'est seulement là que la mentalité a changé. Nous avons commencé à agir positivement sur ce sujet. C'est qualité message, ça, on va bailler depuis 25 ans. Et 25 ans après, parce que j'ai eu des petits frères sentis confortables. Où j'en vois mon Lio, fidèle Lio, mon cap collaborer avec Lio, vive parole ça? Numéro un, parce que j'ai des parents fidèles. Pour moi, les gens qui parce que ce sont des membres de la famille, ouais, parce que fidèle là, pour moi, c'est un mot que j'aime toujours
peurli parce que les fait l'impression que au bon monde quand les allait puis comme bam qui sait et pour moi c'est ce sont mes frères et sœurs. Non non même cher allait puis je suis en bas. Non ouais, peut-être revisiter ça là donc on ira voir que il y a jamais pas de jambe question ça avec comme pasteur allait non je suis à même côté avec tout le monde. Ouais, donc, le pasteur a toujours raison généralement. Le pasteur a toujours raison. Bon, alors là, si je ne comprends pas pour ça, non, parce que à moins qu'on a retiré le niveau d'humanité, pasteur, à tout. À moins qu'on a dit que pasteur n'a pas eu, mais tout. Vous voyez donc, mais pasteur, ce n'est pas le cas. Non, 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 définitivement, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, 25 ans après, nous pas, comme nous ne pas satisfaits, chez nous, nous satisfaits, mais nous disons, mon Dieu, merci, nous reconnaissons. Et nous avons mis quand nous avons fait correction, côté de faire correction, pour faire sûr que nous avons arrivé à faire changement côté que nous méritons. Par exemple, nous avons quelques bagages que nous sommes contents. Pour lui, c'est quelques bagages que nous faisons dans FTL qui peut-être différentes différences par rapport à la qualité de l'église que nous avons. Donc, par exemple, nous avons un ensemble de programmes que nous gagnons. Par exemple, nous c'est famille, tabla de l'orange. Nous mettons pile en face sur la famille. Parce que nous sommes pays d'orphelins. Pays d'orphelins, si vous voulez sans papa, sans maman. Et toute société, côté que garçon, pas joué World, sont société qui voit à l'échec. En pile maman, tout le monde ne va pas. En pile maman, on l'église, au temps, on dit, combien de maman va pas dans l'église là? À peine 200 personnes. C'est une catastrophe. Et c'est ça que le dernier verset de la Bible, dans cet testament, dit, la Bible a dit, ma pour retourner que papa à petit yo et que petit yo à papa. Sinon, pays ça la frappe, on va le dire. On paye côté que garçon, pas joué World, son pays qui maudit. Son pays qui est en bas en malédiction et qu'on y a là son collègue. Pays en bas en malédiction parce que garçon yo pas joué, wall yo, nan société y a en famille, qu'on y a une jeune fille qui tout bagaille. Ok? Donc son pays qui a problème. Donc il faut d'abord restaurer cellule ça qui est fragilisé, qui c'est la famille. Donc nous c'est d'abord en famille. Comment on le fait? En pilant seulement bas sur la famille, mais essentiellement, on va que nous fait en plus. Nous restons le renouvellement de vœux chaque année. Coupe marié, venez pour renouveler des séminaires et puis venez renouveler l'engagement. Par exemple, je fais que ce renouveler l'engagement après 25 ans de mariage, je suis retrouvé avec madame et puis je ne sais pas si je suis allé dans le lieu, mais puis je suis allé dans la ville d'Henry, il y a l'année après la cérémonie, je suis allé à la côté que vous êtes venu l'année prochaine avec TNH pour ça. Et c'est mon rabillé, tout ça, pompeusement, bague retirée, bague rebaille, engagement rebaille, et puis c'est bagaille merveilleux. Et chaque année, on le fait, c'est pratiquement une obligation sur l'église pour au marié, pour renouveler l'engagement à ça. Donc, et je connais pile froid qui, je dis, n'a pas existé pour des années, qui, je dis, a existé encore. Et Simone qui a des chances pour lever avec maman et papa en dankaï. Nous, on va nous faire une formation que nous avons une classe primaritale. Ils vont apprendre à conduire avant une bonne licence. Ouais, nous marié, nous devons marier parce qu'on est mon rôle et côté PSO. Et puis, il quitte d'accord marié. Ouais, on passe 3 mois à recevoir formation en classe primaritale. Vous voyez, avant qu'on soit qualifié pour marier dans la FTN. Vous voyez, now, pour cette formation, parce que vivre ou sortir en ce dénom, fille sortir et quoi de bouquet, culture différente. En dans même cosmos, ça, mais culture différente. Adaptation mariage pas facile. Vous voyez, les marchés quand on va parler, les grands, les domaines quand on va parler, et puis on fait ça en l'autre culture. Vous voyez, on a deux cultures, deux mondes qui ont essayé quand c'est deux cultures qui pourraient battre pour fondre ensemble. Ça fait grand pile problème dans le mariage. Donc, il faut nous préparer le monde pour le mariage. Donc, nous préparer le monde pour le mariage. Vivre en communauté, vivre en famille, vivre ensemble. Tout son pays, vivre ensemble. Notion de compromis, parce que d'ailleurs, nous avons mal, nous avons mauvaise définition de l'amour. C'est une bonne bagarre pour nous faire, parce que l'amour, il résulte de l'amour quand on a un sentiment qu'on gagne dans le cœur, on va ressentir une émotion, un sentiment. L'amour n'a rien à voir avec ça. L'amour, c'est une question de choix et de décision. La Bible nous dit, non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu aime, il s'est sacrifié pour le monde. Mais ça, livre Jésus qui explique. La Bible a dit, 3 Jean verset 2 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nos frères et que nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. En deuxième, l'amour vrai, c'est se donner pour celui ou celle qu'on aime. L'amour vrai, c'est sacrifier tête tout pour le monde qui a aimer. Donc, pour que ça nous marie, je dis, nous marier parce que nous avons une fille qui pour supporter, faire ceci, faire cela, garder fille à marier parce que les besoins, on supporte. Donc, nous marier pour nous joindre, nous marier pour nous bailler. Et là, nous ne pas joindre, nous péter coquin, nous dit incompatibilité de caractère, et puis nous divorcer.
quand la vie divorce vient en plan B et plan B ça c'est ennemi plan A parce que lorsqu'un plan B on va le sacrifier pour faire plan A marcher. Oui, donc c'est un bon bagage concept qui est très différent et qui rend que la vie dans la société la vie difficile et moi pense que c'est rôle l'église ça pour les former monyo selon la parole selon standard royaume bon Dieu redéfinir l'amour redéfinir vivre ensemble redéfinir concept que culture ça yo peut-être que parce qu'une culture qui innovatrice a toujours des précédents sur ce culture qui pas mais l'école tout parce qu'en plus faut aller pour des pas réputer des écoles de qualité ben nous gagne l'école et heureusement nous réputé parmi une meilleure école dans la commune c'est une meilleure école dans la commune et depuis tantôt 9 ans Nous avons eu la classe philo depuis 9 ans, on a toujours eu 100% dans la majeure classe. Seule année dernière, nous avons eu un petit monde qui était à journée, donc on a toujours eu 100% dans le résultat. Si c'est ça que c'est qualité, si c'est ça que c'est le résultat qui fait l'école là, le résultat, mais si c'était pour ça, nous bon dans ce sens-là. Et cadre là tout, qu'on était ici. Absolument. Bon, moi je souhaitais qu'un de ces quatre, si c'est possible, pour nous faire un petit tour, pour que nous puissions allier. Parole au A. Et faites passer pour dimanche, ça que vous voyez? Oui, dimanche 25, on a célébré 25 ans, et attendez ça, 25 ans, c'est, puis ça, c'est 25 février. Ah! Donc coïncidence! Bon, même là, disons rendez-vous divin. Donc 25 ans, on a célébré le 25 février, donc c'est 25 ans pour nous dire bon Dieu merci pour la vie, 25 ans pour nous prendre un temps pour nous chiter, pour nous réévaluer tête, non? Et ouais, comment nous pourrons aller pour nous accomplir ça, c'est plan bon Dieu pour la vie, nous pour 25 années qui pourront venir. Donc, il y a un ensemble de bagages qui pourront le faire. Nous avons pile de monde capable avec nous. Nous avons nos amis, nos frères et sœurs qui en pile dans membres nous, sortis de l'étranger, qui retournent, viennent vers Alma Mater pour venir et célébrer avec nous. Nous avons des gens sortis du Canada, États-Unis, Antilles, Saint-Kitts, Saint-Nevis, Saint-Jean-de-Vaisse. Donc, il y a pile de monde qui est en rentrée déjà pour venir célébrer ensemble avec nous. Venir dire bon Dieu, merci. Et bientôt, nous avons un magazine commémoratif qui va le retracer les 25 ans de la FTL. Mettre à l'écrit et rendre possible pour nous capables de retracer. Et je voulais tout le monde connaître que ce que Dieu nous a appris à la FTL, c'est l'église qui n'est plus paperasse. Tout le bagage est un documentaire, un livre. Chaque département a un livre qui est écrit sur lui pour montrer que c'est le rôle, que c'est vous avez. Même les connaître que pas grand rien que mon Dieu va nous à la FTL qui c'est que nous avons droit d'auteur sur lui. Tout ça que mon Dieu va nous comprendre que mon Dieu est comme étant une église pionnière, dans le sens que pour nous aller côté l'autre monde va aller et qu'il est en trace pour eux-mêmes. Pour suivre. Pas pour nous en deux éternels, non, vous voyez. Simplement parce que bon Dieu, il est non. Et ça, bon Dieu, il est non. Que toute l'église qui a senti que vous n'êtes pas actif à côté de vous et que une idée, c'est qu'elle va faire le mieux, vous voyez que tout ça nous est disponible pour vous. Vous avez fait un petit texte, vous voyez, vous avez écrit, vous avez fait ce site noir sur jhpetitfrère.com, ou du moins sur ftlhaiti.org, ou du moins sur Facebook, ou du moins sur WhatsApp. 39-39-12-12, c'est toujours un ensemble de bagages que tout ça est disponible pour la communauté. Une année de restauration et de déversement surnaturel. Ça, c'est le thème pour l'année. Une année de restauration. Et nous avons reçu la promesse du Seigneur. Vous voyez que l'année, ça n'a pas quand on est quand l'autre année. D'ailleurs, en Haïti, on a eu tout récemment au stade Sylvio Cator, en Haïti, il était venu et il était en pile parole prophétique qui était dit. Et là encore, nous devons faire un petit mise au point dans ça. Quand le Seigneur dit des choses merveilleuses vis-à-vis une nation, ça c'est intention pour le faire. Ça veut dire que la fête. Vous voyez, dans Deutéronome chapitre 1, dans Deutéronome chapitre 8, il dit qu'on a que voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voyez, le Seigneur a parlé. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession. Donc ça qui baille, pas automatiquement, pas aussi, pas prendre nous-mêmes. Si je vous dis, je te donne ce téléphone, et puis mettez-le comme ça là. Mais autant que me concerne le téléphone n'est pour que lien ou qu'a faire perdre ou qu'a faire tomber mais ce pas fond il faut pour longer vous prendre il pas pour donc la prophétie qui a les prophéties qui ont été données c'est de témoigner intention pour Dieu pour le faire moyennant que nous-mêmes nous bal permission et participation dans ça qui doit réaliser dans le pays donc c'est moi c'est bien ou qu'a réjouir que tu as une belle parole qui va dire ce pays mais ou qu'a arrêter quand il faut pas besoin après 5 ans encore on a une belle parole encore faut que nous lever accepter responsabilité pour nous venir seul, jouer le rôle que nous appelons pour nous jouer, pour que bon Dieu fasse le même ça que le veut faire. Nous allons faire une émission, docteur Petit Frère, on nous a regardé quand Vivine Web, FTL, on a une web sur Abdilayo. Et qui ça vous le fait? Côté la joie, non? Ben,
nous adressons c'est Rouen 93 rue Caillemide, communément appelé sous Corsol. Vous voyez, sous cas déplacé, n'a pas content, sous pas cas déplacé, n'a pas aller sur centre diplomatique famille Tabana de Louange sur Facebook, pour capable vivre événement ça et moi bon garanti qu'on pas déçu le fait côté aller. Et comme moi, dans le fond, encore tout ça que nous avons fait pour nous accompagner l'église, et comme par exemple, nous avons une formation que nous avons fait au pasteur, par exemple, demain, nous avons une formation au séminaire pour pasteur, et nous avons une école ministérielle, un ensemble de bagages, un bon bagage qui existe dans le ministère là, et nous avons que tout ça c'est pour nous servir, réellement partager ce type de casse que nous avons partagé avec nous. À la communauté, pour mettre une Gabriel arriver, faire un plus gros impact sur la communauté. On est 93, Carrefour, 8 k 8, nous 77. C'est là, et, bon, et c'est plus FTF, c'est Centre Diplomatique Famille Tabernacle de Louange, qui a célébré 25 l'année, il y a année ça, et rendez-vous, c'est pour le dimanche matin, à partir de 8h, pour célébration 25 ans CDFTL. Docteur Jean-Yves Petitfrère qui est avec nous matin, et Marconnais, on va aider ce que tu dis. Ou pas que tu as dit, et c'est bon pour faire ça? Ben, c'est seulement prier que c'est prier moi. C'est d'après les chrétiens qui est insatisfait de côté pays par rapport à Wall que l'église m'encourage pour réellement pas perdre espoir. Pas perdre espoir. Il y a des gens que j'ai suscité dans le pays, mon Dieu, un faible reste que l'a suscité dans le pays, je rejoindre avec mon ça. Et tout ça, comme une formation, nous sommes prêts pour nous aider dans ce sens-là, réellement aider dans ce sens-là pour qu'après l'homme qui a joué Wall véritablement. Et un pacte qui est fait. Faiblesse, ça prend temps pour le vivre, pasteur. Comment? Faiblesse, ça prend temps pour le vivre. Ah ben oui, c'est par rapport à l'ampleur pour le nom, oui. Le nom grave, oui. Le nom grave, tout. Mais plus nous sommes conscients de lui et nous accepter sa vie pour nous jouer Wall loin, miracle là, il y a encore possible, grâce à Dieu. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Jean-Yves Petitfrère, c'est avec l'une des familles au point ça, pour l'occasion, 25 ans et famille, centre diplomatique, famille Tabernacle de Louange, qui trouvait le carrefour. On est 93, rue Caillemit, numéro 77. C'est avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, surtout un très bon week-end avec Télévision Nationale d'Haïti. À bientôt.